C'est l'heure de QR, proposé par les trophées à venir Jaco Duro. Après, je parle vite, alors non. C'est bon ? Moi, ça me va bien. Ça passe ? Ouais, ça va. Bonjour, je suis Coralie Vinet, je suis floricultrice, j'ai 35 ans et je suis installée à Beaulieu-sous-la-Roche depuis une année. Floricultrice, c'est vraiment agricultrice, donc productrice de fleurs coupées. C'est les mêmes techniques utilisées pour le maraîchage, mais au lieu de récolter des légumes, moi je récolte les fleurs coupées. Que des fleurs de saison, produits en agriculture biologique, donc vraiment de mars à novembre. Alors c'est vraiment produire de la graine au bouquet. Donc je fais mes semis, je plante, je récolte et ensuite je produis mes bouquets que je vends en direct aux particuliers. Donc soit à la ferme, soit sur le marché de Montaigu samedi matin. Moi j'adore les défis et me challenger. Et c'est vrai que l'agriculture ça correspondait bien à ma personnalité et à ces valeurs-là. C'est vrai qu'une fois que tout est en terre, ça ne dépend plus que de nous. Donc ouais, là c'est vraiment très, très challengeant. Donc c'est ce qui me plaisait dans le fait d'entreprendre dans l'agriculture. Puis moi je ne suis pas issue du milieu agricole, donc c'est vrai que c'était assez long comme cheminement. Mais voilà, ça s'est fait avec beaucoup de détermination. J'espère qu'elle sera développée, qu'il y aura déjà plus d'espèces produites à la ferme, qu'on sera plus nombreux à avoir un saisonnier dès l'année prochaine et puis ensuite plutôt des salariés permanents. Parce que c'est vrai, travailler en équipe, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, transmettre. Et puis voilà, toujours plus de bouquets. Je ne m'y attendais pas du tout et j'ai été très émue. C'est vrai que la reconnaissance déjà d'une du milieu agricole après un parcours qui a été très long, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et puis ensuite, le fait d'être grande lauréate, alors là, c'était l'apothéose et c'est une belle reconnaissance qui me donne beaucoup de légitimité aujourd'hui dans mon activité. Et puis de partager aussi avec les proches, voilà, de montrer que c'était pas juste une idée farfelue, c'était un vrai projet et que ça tient la route et que c'est reconnu. C'était QR avec les trophées à venir Jaco Duro.